Alafia à tous, j'espère que vous allez bien. On m'appelle Runongan Papa Gerardo Metoche. Alors, j'ai suivi la fois passée une vidéo dans laquelle la personne disait que Vodoutron est une divinité qui rend célèbre les célèbres et riches les Runons, les dignitaires, et ne rend pas riches les adeptes. Alors, j'ai aussitôt compris que cette personne est limitée dans les informations. Cette personne n'a pas eu assez d'informations de la communauté trompetorica Alafia. Vous savez, Tromegakune est une divinité qui a conquis le Bénin en moins de quelques temps. Parce que c'est une divinité qui te protège, qui protège tes enfants, qui te protège de tout malheur qui peut t'arriver. Lorsque tu es épargné des malheurs, je pense que ton argent servira à faire beaucoup de choses. Ton argent te servira à construire, à faire de belles choses. Nous avons connu des adeptes qui, ayant été satisfaits de ce que Tromegakune leur a fait, ont donné des véhicules, ont acheté des véhicules à leur prêtre spirituel, ont construit des maisons à leur prêtre spirituel, à leur Runongan. Il y a assez de témoignages, d'accord? Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes sont adeptes de Tron. Et lorsqu'on prend le Bénin, au moins 80% sont adeptes de Tron. Il y a des gens qui ne veulent pas se dévoiler, mais ils sont pratiquement tous dans adeptes de Tron. Parce que Tron protège. Lorsque Tron t'épargne de l'hôpital, d'aller à l'hôpital avec des maladies, des accidents imprévus, tout ça là, je pense que tu vas réaliser. D'accord? Tu vas réaliser. Parce que Tron Mengakune, c'est une divinité qui t'avertit de tout. D'accord? Lorsque tu as ta divinité, tu as Tron et tu veux sortir, tu demandes la permission, Tron dit non, tu ne peux pas sortir. Tu t'entêtes pour sortir. Ce qui arrive, tu ne peux pas dire que c'est Tron qui ne t'a pas protégé. Parce que Tron t'a déjà fait ce truc-là. Donc, lorsqu'on respecte les interdits de Tron, lorsqu'on respecte les préceptes de Tron, les commandements, les recommandations de Tron et les cérémonies qui sortent, on le fait. Je pense que on a les grâces, toutes les grâces de Tron. Donc, arrêtez de dire ça. D'accord? Si vous voyez un adepte de Tron dans des difficultés, il faut chercher à savoir comment cette personne adore la Tron Mengakune. Il y a des fidèles, lorsque les cérémonies sortent pour eux, c'est maintenant ils viennent pour dire je n'ai rien. Alors qu'ils ont les moyens de faire les cérémonies. Ils viennent, c'est la cola qui est au couvent, c'est cette cola, eux ils veulent prendre pour faire leur propre cérémonie. Lorsque tu prends la cola de l'autre pour faire ta cérémonie, comment la bénédiction viendra chez toi? On dit de ne pas avorter, on dit de ne pas manger la viande de porc, tu dis que la viande de porc c'est le porc noir qui est interdit et que le porc blanc, le cochon blanc n'est pas interdit. On te dit les trucs, tu dis non, je vais manger pour aujourd'hui d'abord et Tromegakune sera m'épargner, Tromegakune sera notre père. Lorsque tu ne respectes pas les interdits de Tron, tu seras toujours dans la difficulté. C'est un peu ça. Donc, c'est pas vérifié. Tron donne la grâce et la richesse, tout ce qu'il faut pour l'homme, à tout adepte, à tout Runonga. Soyez richement béni. On m'appelle Runonga Papa Gerardo Metoche. Bye bye.